attends. J'ai une prise de parole. Voilà. Bonjour. Ah. Ah. Il y a une prise de parole, s'il vous plaît, silence. Soraya. S'il vous plaît. Soraya. 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 C'est qui? Eric. Enlève tes piles. D'ici 2033, sur une boule de cristal, ils ont réussi à deviner qu'en 2033, on va avoir encore une pandémie et une pandémie plus mortelle que le Covid-19. Attends, on va faire une pause, on peut faire une pause, t'inquiète. Attends, on fait une pause. On fait une pause. Donc c'est pas de moi, c'est de l'abbé Pierre. T'as lancé le truc, attends, je regarde. Ça y est, ça tourne, c'est lancé. Oui, c'est bon, c'est bon. Devant, c'est bon. Devant, ouais, voilà. Abbé Pierre, je continuerai à croire même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer même si les autres distillent la haine. Je continuerai à construire même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de pain même au milieu d'une guerre. De paix, de paix. Je continuerai à illuminer même au milieu de l'obscurité. Je continuerai à semer même si les autres piétinent la récolte. Et je continuerai à crier même si les autres se taisent. Et je dessinerai des sourires sur les visages en larmes. Et j'apporterai le soulagement quand on verra la douleur. Et j'offrirai des motifs de joie là où il n'y a que tristesse. J'inviterai à marcher celui qui a décidé de s'arrêter. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. L'abbé Pierre, voilà. Bravo. Merci à Alain et son épouse. Merci à Rémi, parce que je ne l'oublie pas, j'étais pas là, mais j'ai envoyé un petit bonjour pour ceux qui l'auront. Voilà. Voilà, et ben merci. Merci Alain. Voilà, et ben merci. Voilà. Merci à l'abbé Pierre, parti trop tôt. Voilà. Et là, il s'est un peu écœuré, je pense. Il marcherait avec nous. Voilà, c'est ça. Les meilleurs nous ont quittés. Voilà. Ah ouais, Coluche, etc. On a perdu les meilleurs. On n'a plus de bombes. Soraya, dans tout, quand tu es énervé après les gens, tout ce que tu dis, toi, c'est dedans, là. Non, bah oui. Non, bah c'est la vérité. Je dis ce que je pense. Oui, mais c'est ça. Tu parles avec ton cœur. Voilà. Et là, c'est dedans. Tu le dis. Quand je l'écoute, je pleure. Voilà, à place d'Italie, si tu disais les gens, qu'est-ce qu'ils font, tatata, pourquoi qu'ils m'arrivent. Voilà. Ça me, moi, ça me blesse, ça me fait mal. T'inquiète pas. On ne peut pas avancer comme ça. En fait, ouais, mais il faut. Mais bon. On va après, moi, je suis croyante. Et je sais que 2023, de toute façon, et on l'a remarqué depuis le début d'année, hein. Je l'ai senti en fin d'année. 2022, j'ai mon ami Nanou qui est là. Ouais. 2023 est une année de justice divine. C'est ça. Et la divinité, il n'y a personne qui est plus fort que notre divin. Et surtout nous, le peuple, qu'on soit d'en bas ou d'en haut, nous battons pas entre nous en guerre civile. Tu sais, il n'y en a qu'à attendre ce mot-là. Non, non. Jamais. Non, non, parce que nous, on a de l'amour. C'est ça. Il a voulu nous diviser. Il a voulu nous monter les uns contre les autres. Mais on est là. C'est ça. On est là et on s'aime. C'est ça. Alors on peut s'engueuler, on peut être en colère. Mais la colère, des fois, ben, on peut se mettre. Moi, je me mets en colère contre mes enfants pour leur bien. C'est ça. D'accord ? C'est parce que je les aime que je me mets en colère contre c'est eux. C'est ça. Bah, mes camarades, quand je me mets en colère contre eux, c'est parce que je les aime et que j'ai envie d'avancer avec eux. Eh ben, j'ai merci. Envie de gagner avec eux. Merci, Soraya. Merci à toi. Bisous. Il y a Pierre Chénéric qui veut faire une annonce.